c'est peut-être, pour ne pas exagérer, pas moins de 70 millions de dollars. Nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune Il a fait un peu d'argent. Avant de devenir gouverneur, j'avais mes sociétés. J'étais un opérateur économique. J'ai dit garder quelque chose pour ma pension. Le jour que je vais quitter encore la politique, je vais rentrer dans les affaires et je vais continuer à vivre. Mon père, quand il est arrivé, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ce village. Donc, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste, parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42-43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Donc moi, je fais la sous-traitance et j'ai commencé la sous-traitance depuis très longtemps. Ça fait depuis 1997 que j'avais commencé la sous-traitance. Si je ne suis pas entré en politique, aujourd'hui, j'allais avoir des milliards. Mais comme je suis entré en politique, j'étais obligé de vendre mes parts pour être neutre. Moi, c'est 60 millions. Mais les Européens qui sont en partenariat avec la Gécamine ont gagné combien de milliards? Si c'est un Congolais qui gagne 60 millions, d'abord 60 millions, c'est quoi?